Martin Raete, l'Argentin, qui va servir le premier jeu du premier set. Donc 15 à rien et vous entendez le commentaire américain. Nous n'avons en effet pas pu obtenir dans les délais un magnétoscope sur lequel il n'y aurait eu que le son international. Donc c'est l'Argentin Raete au service, il mène 15-0. Surprise, surprise. Raete came in quickly on that second exchange. Raete, born in Buenos Aires, moved to Spain at age 11 and since has moved back to Buenos Aires where he lives with his mother and brother. He's only 20 years old though. He's got a ton of time ahead of him. And he's going to get better. Just out, 30-15. That's exactly what Noah cannot afford to do. He can't make a careless error like that. 30-15. Without any pressure on him. He's got to keep rallies deep, but no careless errors. Big top spin shot just out. Voilà, égalité 30 partout. Chair umpire for this match is Rich Kaufman of Seattle. Alors que le commentateur américain vous indique que l'arbitre de cette rencontre est originaire de Seattle. Council supervisors who have been hired as a professional year-round. Now there is a first service ace by Raete, and he really unleashed it. Watch this flat serve. He's only... Et on revoit au ralenti un excellent service très bien placé de l'Argentin Martin Raete, dont nous allons pouvoir admirer le talent. C'est un tout jeune garçon, il n'a encore que 20 ans, mais il est déjà bien classé dans la hiérarchie mondiale. Nous en reparlerons. Égalité. Still coming in from the parking lots, which jam up right around 7 o'clock when the match begins. Break point for Noah. There are no tickets left. They're sold out tonight. Oui, le premier bel échange de cette partie, alors que Raete, fort intelligemment, est venu cueillir son point au filet. C'était une occasion pour Yannick Noah de prendre d'entrée le service de son adversaire. Égalité.
Beautiful shot by Haite. Elle est bonne. Drops right in the corner. And remember, Haite got his baptism last Monday night. He was in the finals in Boston where he played Max Philander. Une attaque peut-être un petit peu courte de Yannick Noah. Et un bon passing de Haite. En tout cas, c'est un match qui débute bien avec de beaux échanges. De nouveau égalité. He knows that if he stays back, Noah will come in. Both players are very nervous, Mel. The final is a little different match than any other tournament week because literally this is the last match. There's no more play. And it's a lot more pressure, a lot more money. Normally television, and they feel it. $34,000 at stake for the winner, $17,000 for the runner-up. They're just probing each other right now, trying to get a feel for the other's game. Yeah, very bad return by Noah. Oui, dommage, un mauvais retour de Noah sur une deuxième balle de service de Raite. Raite, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, il est encore assez peu connu, encore qu'il ait fait de bonnes choses depuis deux ans à Roland-Garros. Was in the finals of the U.S. Pro Championships in Brookline, Massachusetts. Haite with the overhead to take the first game. Voilà, et premier jeu du premier set pour l'Argentin Martin Raite, alors que Yannick Noah a eu l'occasion de prendre une fois au cours de ce jeu le service de son adversaire. Service volé. Voilà donc Yannick Noah qui est mené un jeu à rien dans le premier set et qui est au service maintenant. Noah with 11 serves aces in his semi-final upset of Jimmy Connors. Égalité 15 partout, Raite qui a complètement manqué son passing shot alors que Noah prend bien le filet. Noah qui paraît très concentré et surtout il est bien agréable de voir Noah qui ne porte pas de bandage au genou ou au bras ou à la jambe, qui s'est donc totalement, semble-t-il, remis de tous ses bobos et de toutes ses blessures qui l'avaient tant handicapé pendant le tournoi de Wimbledon. Oui, une ouverture fantastique de terrain dont profite bien sûr l'Argentin Raite, qui est finalement assez étonnant car il est un peu à la surprise, il est parvenu en finale de ce tournoi de Washington. Égalité 30 partout. Ici, la terre battue à Washington est de couleur verte. Mais elle est sensiblement de même nature que celle que l'on connaît en Europe, encore qu'un tout petit peu plus rapide, ce qui donne un jeu assez spectaculaire. Oui, c'est le break possible pour Raite sur une mauvaise accélération en revers de Yannick Noah.
Deuce. Égalité. Now there was an awfully good play when he needed it. He got the first serve deep and down the center. Came in behind it. And he's back to the haven of deuce. The server always likes to have deuce because he's got to lose 2 points in a row to lose the game. Oui, deuxième faute en revers de Yannick Noah. Il est un peu faible sur ce coup-là depuis le début de cette finale. Et de nouveau, c'est le break possible pour l'Argentin Raeté. Et qui cette fois était du bon côté, il a bien anticipé Raeté et il prend le service de Yannick Noah. Martin Haite, 20 years of age, leading Yannick Noah. Et Yannick Noah qui a surtout pêché sur ses attaques en revers depuis le début de cette finale. Haite, through an interpreter yesterday, was trying to explain the correct pronunciation of his name. In Spanish, it's Haite. But some of the Americans were having a difficult time pronouncing it that way. Finally, he said, "You can call me whatever you want. I'm just happy to be here." 15:30. Alors que le commentateur américain explique que les Américains ont du mal à prononcer l'exact nom de Raeté. Ils disent JT. Playing a much different type of game than he did against Marcelo Inguaramo. As you pointed out, much more aggressive, coming to the net, falling. Is it unusual for a player so young to be that versatile? Well, I mean, no one's seen him play much before. This is a whole new experience for Noah and for the Washington Tennis fans. He can bang his first serve. He's only 5'11", but he's a really intelligent little guy. He's smart. He's playing Noah perfectly so far. Ah oui, great point, comme disent les Américains. Ils adorent ce jeu spectaculaire de Yannick Noah, qui est cependant poussé à la défensive par l'Argentin. A beautiful lob over Noah. Noah coming back quickly. Ball hits right on the line. Noah fields it. Ah, c'est bien fait, c'est joliment fait en tout cas. Mais ça ouvre bien le terrain pour Raeté, qui l'emporte donc sur son service et qui prend ses distances par rapport à Yannick Noah dans ce premier set. En effet, c'est l'Argentin Raeté qui mène par 3 jeux l'Espagnol Landel. Donc un nom à retenir que ce Martin Raeté qui parvient pour la deuxième fois en ce début de saison en finale d'un tournoi du Grand Prix. C'est donc à Yannick Noah de servir. Il est mené 3 jeux à rien. Get right into it. If you remember, what I cautioned was don't get a bad slow start. Noah down love three, that's where he first is. Serve. Haite will get stronger as he gets more confidence. That first serve. First serve. Just barely. 30 love. Quarter of an inch, that one was wide. 15 à rien. And Noah's starting to find the range on his first serve. What a difference that match is if he serves well. Game Noah. Voilà Noah qui gagne enfin son service, qu'il l'a d'ailleurs gagné assez facilement. Yesterday,
Oui, beaucoup de monde pour assister à cette finale de ce tournoi de Washington qui se joue sur le Rock Creek Tennis Stadium de Washington, qui est une, disons, le club chic de la ville. Et les bénéfices du tournoi sont chaque année donnés aux écoles de tennis de l'arrondissement. Haïté leading Yannick Noah 3-1, first set. Oui, c'est toujours, il a l'air agacé, Yannick, parce qu'il ne maîtrise pas bien son revers depuis le début de cette rencontre. We'll talk about the Nabisco Grand Prix bonus pool a little later. $4 million. Out! Now there are two bad errors by Noah back to back. 30 love. 30 à rien. Haïté serving 30 love. 3-1 first set. Oui, facile là. Facile, mais c'est encore une fois Raete qui avait très bien préparé son point. Raete qui, comme beaucoup d'Argentins, un peu à l'image de Claire lorsqu'il était au meilleur de sa forme, ou de Villas, qui arrive à mener un jeu d'attaque du fond du court, mais qui, à l'inverse de ses camarades de l'équipe de Coupe Davis Argentine, n'hésite pas à venir conclure le point au filet. 40-15. Haïté leads 3-1. Oui, une mauvaise attaque, enfin une attaque trop longue de Yannick Noah en coup droit, qui a des difficultés visiblement à prendre l'initiative à pleine force, qui a d'ailleurs très bien joué au tournoi d'Indianapolis contre le jeune Becker. Ensuite, Yannick Noah a battu l'Américain John Ross. Il a ensuite vaincu Aaron Krickstein, battu Connors, et le voici donc sur ces images en finale contre Wright. À noter encore que Yannick Noah était tête de série numéro 3 de ce tournoi. Shot helps a little bit to gain his confidence. 15 love. Oui, il y avait beaucoup d'effet dans la balle de Noah. Let's see this again. Seems to be in position. The ball bounces. Mais non, la balle a rebondi avec l'effet beaucoup plus haut que prévu par Raete. Kind of a funny bounce and skipped up high. Mais 35, et vous remarquerez que la faute vient encore une fois du revers de Yannick Noah. C'était son point un peu faible en ce lundi à Washington. Il était alors 19h30. Et Yannick Noah avait bien du mal à bousculer Raete. D'autant que sa première balle de service ne passait que par intermittence.
et que les retours de Raité, vous venez de le voir, étaient vraiment d'excellente qualité. Il sait tout faire, Raité, comme beaucoup de jeunes joueurs maintenant. Il n'y a plus de joueurs moyens. Oh, tries a half volley there off his shoelaces, but he's not able to make it. That's a hard sign. Thirty in the sixth game of the first set. Game Noah. Game to Yannick Noah. Ike leading 4-2 first set. Voilà, jeu Noah qui n'est plus mené que par 4 jeux à 2, mais qui a toujours un service de retard sur Raité. Raité qui fait une très belle partie, qui commet très peu de fautes directes et qui joue avec beaucoup d'intelligence. Il a, semble-t-il, une excellente condition physique. Il court très bien sur la terre battue. Et là encore, il avait très bien construit son point, même s'il a échoué sur cette volée basse. C'est un des coups les plus difficiles à réaliser. Vous voyez, il a un geste, une grande amplitude de geste. Il attaque très bien sa balle. Ah oui, là, c'est très bien joué de la part de Yannick Noah. Et très bien placé sur l'accélération de Raité. Donc, vous remarquerez qu'il n'a peut-être pas un service très puissant, mais qu'il a une balle de service qui est longue, donc gênante en retour de service. Noah hit a divot there in the baseline when he hit the ground with his racket. He dug up the court, trying to pat it down. Big point here for Noah. 15-30. Wants to break serving. Yes, Gallant. Oui, la balle est annoncée out, elle m'a semblé bonne. Et on montre la marque, mais il y en a tellement sur un terrain de terre battue que ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est un point important, hein, en tout cas. Alors, on va revoir bien sûr la balle au ralenti, ça ne donne pas toujours d'ailleurs les indications suffisantes. Elle semble, écoutez, elle semble avoir touché la bande, en tout cas. Et Yannick Noah, qui l'a vue bonne, et elle est probablement bonne, cette balle, discute poliment et gentiment avec l'arbitre. C'est pour lui une balle très importante qui lui permettrait de reprendre le service. Non, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Voilà, 15-30, bravo. Well, I don't think if they understand it, he's the one that called for the replay. And that's very unusual, and he deserves a lot of credit. 15-30, they're going to play it over.
Donc 15-30, et c'est Raïté, je crois, qui a demandé à ce que l'on donne la balle bonne à Yannick Noah. And what a difference a point makes. 15-40, two breakers now for Noah. Instead of 30 all. Double break point for Yannick Noah. Voilà, donc une possibilité de prendre le service de Raïté pour Yannick Noah. Oh là là, quelle erreur de Raïté qui a probablement été un petit peu déconcentré par la discussion d'arbitrage. Et c'est grâce à cette société que nous avons pu obtenir les images de cette rencontre. The players are all sort of laughing. Well, they say he's scheduled to play Indianapolis. By that, they mean this is going to be his first tournament after Wimbledon on a hot, sticky, dirty clay court in America, and everybody's going to be out to beat him. And they don't think he's that, you know, that dominant a player yet, and so they're all looking to play him. He will now become what they know as a good win. Noah back on serve, 3-4. Il a des jambes fantastiques, Raïté, on a pu le constater sur cet échange, parce que vraiment Yannick avait très bien joué le coup là. Il a un jeu défensif exceptionnel. Regardez le déplacement de Raïté sur cet échange. Gets way around on the top spin, and right there he doesn't do anything with the volley. Turns 180 degrees, pushes off, but Raïté has gotten the ball cross court. Mais nous n'avons vu que la présence de Yannick Noah au filet, qui est impressionnante. En tout cas, c'est une des qualités de l'Argentin, de très bien savoir se déplacer sur les terrains en terre battue, en tout cas. Égalité 15 partout. It's a special thrill to see this crowd completely sold out. 35 sur le service de Noah. 200 with the ball boys and the photographers, and on a backcourt directly behind us, they're giving a tennis clinic, and there's about 20 kids out there taking lessons from the local teaching pro here. Only in tennis would you find that. 20 yards away, they're playing the finals. Who knows? Maybe there's a budding Yannick Noah or Martin Haitain next door. But it's fascinating to look over our shoulders. Il a tout de même beaucoup de déchets sur sa première balle de service, Yannick. They're giving a clinic on the outside court to the juniors. And Noah starting to dominate. Mais il est comme tous les joueurs, comme tous les grands joueurs modernes maintenant, c'est-à-dire qu'il assure une bonne deuxième balle de service. On a pu le constater à Wimbledon. La plupart des grands champions sont maintenant capables de jouer des deuxièmes balles de service qu'il y a encore 4 ou 5 ans n'auraient été que des premières. Mais la première ne passe pas, en tout cas. Quelle est faute. Noah doesn't believe it. Noah is not going to take that call. Alors qu'elle est probablement donnée bonne. Your umpire asking to see a mark. On va demander, il demande à l'arbitre de venir montrer la marque. C'est le tout classique sur terre battue, mais je vous le répète, ça ne signifie pas grand-chose. En tout cas, c'était tout de même un lob fort bien ajusté parce que, non, je ne peux pas juger vraiment, parce que Yannick Noah n'est pas facile à lober. Hein. Has been awarded the point on the change of call, 40-30. First serve. Oh.
Get that. Noah. Ça, c'est le Yannick Noah en pleine possession de ses moyens. Superbe athlète que l'on est ravi de revoir au meilleur niveau. Mais c'était aussi là une superbe deuxième balle de service. Et Yannick Noah qui revient très très bien dans ce premier set. Quatre jeux partout, alors qu'il a été largement dominé au début. Mais qu'il ne s'est pas paniqué, il est toujours resté en tout cas très concentré. Alors que l'on nous rappelle que Donaldel nous dit que le champion qui avait remporté Washington l'année dernière, c'était Andrés Gómez, l'équatorien. Un très bon joueur lui aussi. Love 30. Rien à 30. Arrêtez, je vous le dis, parce que sur cette sur les images, parfois il apparaît petit. Or, c'est même un garçon qui mesure 1m80. First serve. Ouais, c'est un peu juste l'attaque de Yannick en EA. Yannick en EA, pardon. De Yannick au filet. Sa balle n'était pas assez longue. Il est parti de trop loin là pour bien prendre le filet, Yannick Noah. No pressure there. Noah's ball too short. When you slice the ball and come in, it's going to hit on clay and sit up. You got to keep it deep. 15-30, 4-all, first set. Yannick qui fait un petit peu de provocation là en disant à l'arbitre, eh bien cette fois vous l'avez bien jugé. Et c'est un double break possible pour Yannick Noah sur le service de Raete. Raete dont la longueur de balle c'est un petit peu diminué, ce qui explique que Yannick Noah peut reprendre l'initiative dans cette partie. Oui, c'est moins long, elles sont moins longues les balles de l'Argentin. Et ça permet de meilleures attaques de Yannick Noah qui prend le service de Raete pour mener par 5 jeux et qui profite fort intelligemment d'une légère baisse de régime de l'Argentin dont je vous l'ai déjà dit, la balle est un peu moins longue. Oui. Très bonne première balle de service. Quant à rien, bonne présence de Yannick au filet. Ça prouve qu'il est en bonne possession de tous ses moyens. Il a joué ses deux interventions au filet avec beaucoup de confiance. Ouais, magnifique enchaînement, bonne première balle de service. Bonne prise du filet avec une volée de revers croisée contre laquelle Raete ne pouvait rien.
And there is the replacement. I'm sorry, I don't know his name, but they have a new linesman now on that baseline. Voici donc Noah, tout près de remporter le premier set. To avoid further controversy? I think it is. They may have adjusted. That other fellow may be on the sidelines now. I can't see from here, but they may have changed him around. Voilà, premier set pour Yannick Noah sur un lob trop long de Raite. Yannick Noah qui gagne ce premier set alors qu'on le voyait il y a encore 10 minutes à peine bien mal parti, enfin disons un quart d'heure, il était mené 4 jeux à 1. Il a profité d'une décision d'arbitrage qui lui a été favorable et d'une légère baisse de régime de Raite pour revenir bien dans la partie et gagner la première manche. Is that typical or atypical of most pros? 15. Oh, I think it's very atypical. I mean, you're taught that that's why you have linesmen. Play to the linesmen, don't get into umpiring and officiating because sometimes you're wrong. And play to the calls. Égalité sur une amortie qui reste bloquée dans la bande du filet. Now what Noah does not want to do is relax here. He's finally got Haite under control for the moment and he cannot afford to relax. C'est rare de voir Yannick rater un smash qui était relativement facile pour lui. En tout cas, c'est lui maintenant qui porte les accélérations et c'est lui le patron sur le terrain. We'll ask other players during the day how this guy plays. He's probably call one or two others to see how he plays. Voilà, ça c'est le vrai visage de Yannick Noah, extrêmement présent au filet, se servant bien de son coup d'œil, de son adresse et de son envergure. Regardez comme il se replace intelligemment pour faire cette volée croisée amortie. Ça prouve qu'il est en pleine confiance, qu'il est maître de son jeu. Aïe, 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 oui, ça démoralise Raite. Ah, c'est tout de même souvent sur le revers que vient la faute. Haite battling back after leading in the first set 4-1 and watching Noah reel off five straight games to win it 6-4. Haite up 40-30 in the first game of the second set. Ah oui, il a très bien construit son point là, Yannick. And Noah with the tremendous reach and quickness. The guy his size, he moves awfully well. Regardez comme c'est bien fait, bien joué, il est bien placé, il est bien en appui. Il met tout de suite Raite en difficulté. On the dead run, nails it. And reduce. Ah oui.
Yannick, sur ce jeu-là, est tout à fait redevenu lui-même. Là. Ah, le public est ravi, c'est une belle finale avec des échanges qui sont parfois très spectaculaires. Regardez comme il se déplace bien, Raete, il va chercher toutes les balles. Il réussit un bon lob. Advantage to Martin Haite. Just out and reduce. Égalité. C'est un très très beau jeu en tout cas. On joue bien des deux côtés. Avantage Noah, alors que le Français a remporté la première manche par 6 jeux à 4. Et avantage Noah sur le service de Raete, eh bien ça fait en langage tennistique un break point. Voilà, et Genoa qui commence bien ce deuxième set en prenant le service de l'Argentin. Genoa qui mène donc par un jeu à rien dans la seconde manche. Voilà, et nous retrouvons Yannick Noah au service. Ah oui, il est retourné trop haut, la réalité. Jimmy Connors was also a house guest at the Dell residence. Is he gone elsewhere? He left late this evening to go to St. Louis. Hey, folks. 15 off. Meet his wife and daughter and his mother. Tonight in St. Louis. Double fault by Noah is first. Oui, il me semble que c'est la première double faute de Yannick Noah. Elle n'est pas sortie de beaucoup, hein, cette balle. A lot at stake. $34,000 to the winner, $17,000 to the runner-up. More than that, he'd like to win his first major Grand Prix championship ever. Great for his reputation, for his ranking, and for his confidence. The high toss comes through with pushes off into the court, sprints to the net, makes that little half volley. Haite coming in can go either way and plays behind him. He had that point either way. 30 all. Beautiful backhand by Martin Haite. And this match continues to ebb and flow the fortunes of Noah because Haite's coming back. 30-40 break point for Martin Haite, trailing 1-2 in the second set.
Oui, c'est un breakpoint pour l'Argentin Raete sur le service de Noah. Again, very smart play by Noah. Eh oui, et de nouveau égalité. C'est une occasion pour l'Argentin de prendre le service du Français. Noah serving a deuce, 2-1 second set. Let's watch and see if he goes for a flat serve or a spin American twist. That was a spin serve. Noah thought that serve might have been in. Il l'avait vu bonne, Noah. On the line. Rich Kaufman is telling Noah that the mark is behind the line. Alors que l'arbitre indique que la marque est derrière la ligne. Yannick est un petit peu en délicatesse avec l'arbitre là. Ah. That means Haite thought it was good and gave him two serves. That's what that means. Ah, Raete, vraiment un type formidable. Il redonne deux balles à Yannick Noah. Vraiment un grand monsieur, ce jeune garçon Raete. Très fair play. A lot of people in this crowd pulling for the young Argentinian. See, here's Noah, right on top of the net. He hits that kicker. Haite can't handle it. Avantage Noah. Il faisait très très chaud et très humide, hein, ce qui explique que Noah transpire beaucoup. Regardez la présence de Noah quand il prend le filet dans ces conditions. C'est une gifle qu'il donne à la balle. C'est vraiment très beau. Hein. Ah oui, jeu Noah sur une très belle volée basse. Amorti, la confiance totale qui revient dans le jeu de Noah. Et ce tournoi de Washington aura été vraiment parfait pour remettre Yannick Noah sur le bon chemin, si je puis dire, parce que c'est un tournoi suffisamment difficile. Il a tout de même fallu battre Krijgsten, qui n'est pas le premier venu, qui est un inlassable renvoyeur du fond du cours, surtout s'était abattu, et puis surtout battre Connors, même si Connors, ça n'est plus ce que c'était, ça reste un grand champion. Et maintenant, Yannick Noah semble imposer sa présence athlétique à l'Argentin Raete. Led in the first set, four games to one, and 35. Noah, five straight games to win, 6-4 in the opening set, won the first two games of the second set. He leads 3-1 the second set. See how aggressive Noah's being now. He's taking the second serve of Haite and coming in when he can. Noah's got it. Mais c'est joli en tout cas. Beautiful play. 45. C'est pour toutes ces raisons que Yannick Noah est extrêmement populaire aux États-Unis. Quel retour de service. Heard somebody say give the kid a break. Yeah. Don't want to give him too many breaks, he'll beat your brains out. He is no kid. A marvelous athlete, Martin Haite, great sport. Big point for game to Haite here. Ball high and deep. Oh,
Boston. C'est dommage. Et là encore, il avait bien préparé sa montée au filet sur une très bonne attaque. Et oui, ça c'est vraiment pas de chance, comme l'a dit Donald Dell. God bless you. Et en tout cas, c'est un point important là qui vient d'être perdu par Haïté, dont peut-être va savoir profiter Yannick Noah, sûrement même. Non, avantage Raeté. Oh! Ça, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Ah ben voilà, égalité. Oh, quel sacré coup vient de faire Raeté là. Regardez ça. Regardez quel angle il va trouver. Un coup de bras fantastique de Raeté. Et voilà, Raeté gagne son service, il l'a bien mérité, il s'est bien battu. Mais c'est... Noah, right now, must... really concentrate hard for this game. He's up 3-2 on serve. And he wants to hold for 4-2. Last year, Noah had to pull out of this tournament because of a torn stomach muscle. Despite playing in pain most of the year, he played in 11 tournaments, compiled a 23-11 match record, won nearly $148,000, and was ranked 10th. But he was not at full strength physically. Again, Haïté has been backing up on that kicking serve by Noah. He keeps backing up. And you see, the players watching these matches, Mel, will figure out a way to play Haïté now. That's a whole new approach. Just spin the ball like a second serve in doubles, kick it high and make him hit it up around his shoulders. He's much, much tougher when he's returning a flat serve. Double fault. C'est la deuxième double faute, là, Yannick. Second double fault by Yannick Noah. Noah cannot afford to relax. Saying these players have scouting reports on one another just like football, basketball, and baseball teams do. Absolutely. They have their coaches watch and they watch in groups. And they'll pick this up. And it's so obvious that Noah's changed his style of serving this whole second set. Now there he's gone back to the first one. Normally he's been spinning that ball. Great touch on that ball by Noah. Boy, that is such a tough volley. He's in close like that, hits that little angle, and it just dies on the clay court. Noah serving 40-15, 3-2 second set. Okay, Noah. Game to Yannick Noah as he takes a 4-2 lead in the second set after. Oui, Yannick Noah qui a, semble-t-il, pris complètement l'ascendant maintenant sur son adversaire qui mène par 4 jeux à 2. Et qui joue de plus en plus en confiance. S'il a sans doute douté un petit peu de lui-même au début du premier set, au cours duquel il a été mené par 4 jeux à 1, je pense que maintenant, dans sa tête, il est persuadé de remporter son deuxième tournoi du Grand Prix de l'année, le précédent étant celui des internationaux de Rome, juste avant Roland-Garros. In addition to the
$35,700. The winner of this tournament gets 238 Nabisco Grand Prix bonus points, and we'll talk about that later. But those bonus points really add up. The runner-up gets 166. Oui, bon contre-pied de Raete. Il n'y avait rien à faire là. Il n'attendait pas là, Yannick Noir. Il a tourné son revers, l'Argentin. And there's a quick ace. He slid that ball in fast down the center, off the line. Fourth ace served by Martin Raete. He leads 40 love. Raete certainly fresh and not tired. Game, Raete. Game to Raete. Noah leads 4-3. Voilà, et jeu pour l'Argentin Raete qui continue direct ce tournoi de Washington. 15 love. It is absolutely astounding to me that Raete cannot return very well that bounding serve. That's changed the whole complexion of Noah's serving and the match. He's just kicking it in like a double serve. Spins it in. Finally, Raete nails one. Why is that serve? Why would that serve be more difficult for him to return than a straight, powerful serve of Noah? All right, watch it right here, Noah, with the spin serve. It does two things. It bounces and kicks up high. Raete there step back and nails it, but it also, besides hitting real high at his shoulder, it gives Noah a little more time to get into the net. He closes quicker. Gives him an extra two steps. 15-all. See, that's not bothering Noah at all. Noah de plus en plus confiant et qui monte au filet sur ses deuxièmes balles de service, avec succès d'ailleurs. On sent le doute s'installer sur le visage de Raete. Il n'a pas de chance, Raete, ça fait deux fois qu'il arrive en finale, deux fois qu'il est battu. Une fois, je crois, par Vilander, une autre fois par Yannick Noah. 40-15, Noah leads 4-3 in the second set. Here we'll see it right now. A little shorter toss. He comes through it faster. More of a slice there than a twist. There's another slice, but he missed it. Fault. And Raete with a marvelous. Très bien fait là, le revers très croisé de Raete alors qu'il paraissait en difficulté. Elle est pas assez profonde la volée de Yannick Noah, enfin pas tout à fait. Il s'attendait d'ailleurs pas à la voir revenir dans un angle aussi fermé. Content de lui là, Raete. Il y a de quoi. Voilà, vous savez tout grâce à ces incrustations. Dont les télévisions américaines sont passées maîtres. Il y a différentes écoles, il y en a qui disent mais il y a trop d'incrustations, on ne voit plus l'image, et puis il y en a d'autres qui disent c'est formidable, ça apporte un complément d'information à l'image. Enfin, on va pas installer un débat là-dessus. Et 0-15. Martin Raete trying to stay alive in the championship. Love 15, 3-5, second set. Je vous rappelle que c'est une finale qui se joue en 2-7 gagnants.
needed that one. Oui, pas de chance. Et comme le dit Donalden, il avait besoin de ce point pourtant, Raïté, là. 0-30 sur son service alors qu'il est mené 5 jeux à 3. Noah qui reste et qui cherche à rester parfaitement concentré. Noah closing in for the kill. Noah qui est vraiment le patron au filet. Et voilà, 3 balles de match pour Yannick Noah. Raete qui vient de sauver sa première balle de match. For those of us who've never played in a championship like this, so Tom, what must the pressure be like if you're marking Raete right now? Enormous. Got a second serve. Down match point. Noah is poised. Kicks it in. Elle est faute et Yannick Noah remporte donc ce tournoi du Grand Prix, ce tournoi de Washington, qui le replace maintenant parmi les 8 meilleurs mondiaux. Il a gagné 2 places au classement ATP.